Le gouvernement béninois s'attelle à détecter et à prendre en charge dans un bref délai toute présence de la grippe aviaire sur son territoire. Pour ce faire, différents cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et des partenaires techniques et financiers ont procédé ce jeudi à la validation du plan d'action intégré de la grippe aviaire. Nous allons, au cours de cet atelier, passer au pays fin ce plan et élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre diligente des différentes actions. Je vous encourage à porter des amendements nécessaires au fin d'une amélioration subséquente du document soumis à votre appréciation pour doter le Bénin d'un plan d'action intégré pour le contrôle des foyers à influenza afin de gérer au mieux cette crise sanitaire de la grippe aviaire au Bénin. Le projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies rédis s'est engagé dans cette lutte avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche grâce à l'appui de la Banque mondiale. C'était avec grand plaisir que le projet a accepté répondre à cette préoccupation qui était d'assister la direction de l'élevage dans cette riposte à la résurgence de la grippe aviaire au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet Redissé est ce projet qui intervient donc sur plusieurs aspects, notamment la surveillance des maladies. Au cours des travaux, les participants vont optimiser le déploiement en urgence et selon l'approche Zone Health, des ressources humaines et de la communication indispensables à la réussite de la riposte à la résurgence de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le sud du Bénin.